Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable dimanche avec ce magnifique soleil. Je vous rappelle que nous, dimanche prochain, nous serons au château de Denonville en Eure-et-Loir. Et oui, samedi et dimanche prochain, nous ferons nos conférences de médiumnité pure. Vous l'avez vu passer sur Facebook très très prochainement. Je vais vous proposer de faire de la médiumnité, de la voyance, une après-midi ou voire aussi soirée chez vous. Vous invitez des amis, des copains ou des copines, vous êtes ambassadeur ou ambassadrice. Les personnes qui me recevront chez elles auront droit à un petit tirage d'oracle ou peut-être une lecture des astres et aussi un petit sac avec les produits de chez Lumtera.com. Évidemment, pas n'importe quelle pierre, les pierres qui vous correspondront. Tout ça, on est en train de vous le mettre en place. On commencera par Bayonne, Toulouse, Paris et pourquoi pas ailleurs aussi. Ne vous inquiétez pas, le but c'est d'organiser des rencontres en VIP entre nous et le soir de la médiumité autour d'un repas. Allez, on y va. Vous avez peut-être choisi déjà votre oracle comme je vous l'avais proposé. On va regarder l'oracle numéro 1. Accepter ce qui est. Alors effectivement, actuellement, tu es dans le doute, actuellement, tu as du mal à accepter. Alors, si tu es en procédure avec une personne qui est plutôt négative autour de toi, accepte ce qui est. Accepte d'attirer les énergies positives, accepte de prendre du temps pour toi. Des signatures, des contrats et même une belle orientation aura lieu cette semaine. Si tu as choisi cette carte numéro 1 avec accepte ce qui est, c'est que parfois le dialogue est compliqué avec les gens qui sont autour de toi. Mais n'oublie pas. La patience, la communication, écouter l'autre et ne plus s'énerver, apprendre, apprendre et accepte. Accepte la vie que tu as, accepte ces beaux moments que tu passes. Alors, pour commencer cette semaine, accepte le pouvoir de l'énergie, de la nature, ressource-toi et tu verras que de belles choses vont venir. On continue avec l'oracle numéro 2. Restez ferme. Oh. Alors, si tu as choisi la carte numéro 2, reste ferme. Tu as pris une décision, tu as envie d'aller de l'avant et tu es prête enfin ou prêt pour le changement. Alors, accepte-le. Reste ferme, reste ferme. Et tu verras que tes projets qui sont complètement dingues verront le jour avril-mai 2023. Vous le savez, on a cette capacité de regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau des astres, au niveau des étoiles, où sera placé Mars, à quel moment Mercure sera au top dans l'année 2023. Tout ça, on en reparlera lorsque l'on fera nos petits rendez-vous en VIP. En tout cas, reste ferme si tu as pris une décision et si enfin tu as envie d'aller vers un renouveau, tu sais que tu dois rester ferme avec ton projet. Déménagement, changement, c'est le bon moment. On continue avec l'oracle numéro 3, apporter une différence. Alors, cette semaine, si tu as choisi, tiens, je vais le bloquer comme ça dans mes bracelets, c'est mes petits chouchous là. Si tu as choisi l'oracle numéro 3, apporte une différence. Peut-être que tu es dans la communication, psychologue ou thérapeute. Apporte une différence. Tu as envie d'aider les autres en les écoutant, en parlant avec eux et en les aiguillant. Alors apporte une différence. Si tu as choisi cet oracle numéro 3 et que tu es serveuse dans un restaurant, apporte ta différence. Apporte ton sourire, apporte ton côté punchy. Tu sais que cette semaine, si tu as choisi l'oracle numéro 1, apporte une différence aussi à ta vie. C'est peut-être le moment, et ça je vous en parle tout le temps, d'aller vers la méditation, d'aller vers le yoga et de découvrir que le monde, il est comme il est, mais qu'il faut aussi savoir ancrer sa personnalité pour rester maître de ce que l'on a envie. Apporte une différence et tu verras que vers fin décembre, les choses vont porter leurs fruits. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, elle vous aura écuyé. Et tenez, on se prend un petit dernier oracle. Cette semaine, on va vous demander des efforts, on va vous demander de faire des choses. Vous allez être aussi dans la créativité et la chance est avec vous. Même si c'est un guidage énergétique général,
Si vous êtes sur cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Si vous avez cliqué, c'est que vous aviez envie de connaître et de savoir. Alors, abonnez-vous, laissez-moi en commentaire si ça vous a plu, et on se retrouve tous les jours de la semaine pour un petit tirage du jour. J'espère que tout cela vous fait plaisir. En tout cas, moi, je vous le dis, apportons une différence, restons dans la positive attitude. Et puis, n'oublions pas que si on veut que les choses avancent, si on veut apporter de la nouveauté, il faut croire en son intuition. Intuition, Neptune, elle sera bien placée pour beaucoup d'entre vous. Alors, gros bisous la team, merci à vous, team Sagittaire, team Bonheur. Et comme dirait Paulette, on garde le moral. Allez, abonnez-vous, partagez un max cette vidéo. Bonne semaine!